Wow. Wow. Merhaba, Özkal Deniz, bienvenue aujourd'hui à Istanbul. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un soleil de plomb. Je suis sur une terrasse dans un restaurant juste à côté du Bosphore, comme vous pouvez le constater, pour essayer la meilleure street food d'Istanbul. Et donc ça s'appelle tout simplement le kumpir. C'est une énorme patate en fait qu'ils ouvrent. Et en fait à l'intérieur ils mettent toutes sortes d'ingrédients. Donc après c'est vous qui choisissez, il y a vraiment l'embarras du choix, vous faites la queue pour un self-service qui est à l'entrée du restaurant. Et en fait au début j'ai pas bien compris comment que ça fonctionnait, je me suis installé à la table et j'ai tout simplement demandé au serveur s'il pouvait me servir tout simplement un kumpir. Il m'a dit ah non ça se passe pas comme ça, vous devez aller dans un self-service qui est à l'entrée et ensuite vous choisissez tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre kumpir. J'étais un peu perdu au début, je suis pas habitué à faire comme ça. Mais bref, ça s'est fait assez rapidement, les gens parlent l'anglais ici, en tout cas les serveurs, le gars qui vous met les ingrédients dans la patate, pareil, il parle très bien anglais, donc ça s'est très bien passé. Il y avait au moins une quinzaine ou une vingtaine de choix d'ingrédients différents. Moi j'ai choisi de mettre des champignons, des petits pois, des poivrons. Il y a tellement de choses, je sais même plus ce que j'ai mis en fait. Il y avait trop de trucs, je me souviens plus. Il y a du fromage, ouais, il y a du fromage, il y a de la charcuterie aussi. Je crois que c'est du... Il me semble que c'est... C'est de la saucisse, tout simplement. Ouais, c'est trop bon. Alors là, c'est trop bon. Alors là, ouais, c'est trop bon. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est de la street food, hein. Donc c'est... C'est copieux, hein, ça tabasse, mais le goût, il est là. Et il m'a rajouté en plus de ça du ketchup, de la mayo mélangé ensemble avec un supplément yogourt à l'intérieur. Je vous laisse imaginer. C'est vraiment trop bon. Et ce qui est bien, c'est que tout se marie parfaitement en fait à l'intérieur. Vous avez, vous voyez, il y a du fromage fondu mélangé avec la patate, avec la charcuterie, les petits pois. Il y a du maïs aussi, j'ai oublié de le rajouter. Il y a tout un tas de choses que j'ai rajouté en fait en tant qu'ingrédient à l'intérieur. Explosion de saveur. Bien évidemment, je déconseille de manger ce plat tous les jours si vous voulez pas prendre 10 kilos en une semaine. Oui, parce que c'est vraiment balèze, hein, c'est vraiment copieux, mais c'est super bon. Je vais faire toujours de plus en plus de vidéos sur la nourriture en Turquie, à Istanbul, parce que je sais que déjà la plupart d'entre vous, vous aimez bien. Les autres vidéos où j'ai fait, par exemple la vidéo sur les tantouni, je vous la mets juste ici. Et la vidéo aussi sur le petit déjeuner en Turquie que je vous mets aussi, donc ici. J'ai eu de très bons retours par rapport à ces deux vidéos-là. Donc, vous aimez bien. Je vais en refaire et c'est pas plus mal parce que ça me permet en plus de ça de manger super bien et de vous montrer, de vous proposer en plus des choses que tout simplement les étrangers ne connaissent pas forcément par rapport à la Turquie, par rapport à ce que le pays peut proposer en tant que plat turc, en tant que plat qui vient du pays. Il y a une énorme variété de plats et c'est ce que je vais vous montrer sur cette vidéo et sur les prochaines qui arriveront. J'ai regardé au niveau de la note combien ça allait me coûter. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les tantouni, donc la vidéo précédente que j'ai faite, le plat avec les tantouni, ça m'avait coûté en tout 90 Turkish Lira, l'équivalent de 4,50€ je crois. Là, pour ce plat, je vais payer
92 Turkish Lira. Donc pareil, encore une fois, un peu moins de 5 euros pour un plat plus que copieux, vraiment délicieux. Après avoir mangé ça, vous n'avez plus besoin de manger pour le reste de la journée. C'est vraiment le lieu où vous trouverez le plus de restaurants qui proposent des kumpir. Donc ça se trouve à Ortaköy. Je vous mets donc l'endroit où ça se trouve exactement, juste ici. En fait, on est juste à côté du premier pont de Istanbul. D'ailleurs, je vais vous le montrer, regardez, je suis ici et vous avez le pont juste derrière moi. Waouh! Waouh! Putain! Oh la vache! Il y a eu de l'eau qui a été jusque sur ma table. Putain, les bateaux, quand ils partent ici, on le sent passer, hein. Vache! Bon, ça va, je suis pas noyé non plus, mais mon café, il a fait comme ça, il a bougé. Devrait y avoir une limitation de vitesse pour ces cinglés sur la mer. Là. Ils allument leur moteur comme ça, là, l'air de rien. Enfin, je goûte pas mon plaisir. Tout ceci est très bon. Pas très sain, mais très bon. Il y a un gros morceau qui arrive, attention. Apparemment, ça s'appelle Ayçiçek. Première fois que je teste ça. Typiquement turc, j'avais jamais testé avant. C'est pas mal du tout. Il y a de la coco à l'intérieur. Et vous voyez, par-dessus, il y a des pistaches. C'est pas mal. J'espère tout comme moi que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Moi, effectivement, j'ai pris un malin plaisir à manger comme il se doit aujourd'hui, c'était très bon. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications de YouTube. Et je vous dis donc à mercredi ou à samedi pour une nouvelle vidéo Gulé Gulé.